Bonjour, bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien. Moi ça va bien. Si c'est la première fois que tu me découvres, n'hésite pas à t'abonner sur ma chaîne YouTube. C'est monique Z l'impacteuse. Je viens faire une vidéo un peu je peux dire informative parce que il euh, y a des informations que j'avais depuis quand j'avais fait la dernière vidéo sur immigration Canada, j'avais cette information mais il me fallait vraiment la vérifier avant de vous la donner et puis j'ai vérifié j'ai eu le lien que je vais vous mettre en description là Vous aussi vous pouvez aller lire pour comprendre les choses. Je viens vous parler de l'augmentation qu'il y a eu au niveau de l'immigration Canada. Oui, c'est une augmentation qui a été faite quand même est, est quand même considérable là, parce qu'on est en train de parler de 30% de, de de frais qui, qui ont été comme ajoutés sur la procédure d'immigration Canada, mais surtout dans le volet au moment euh, dans le volet de la résidence permanente, dans le volet du fédéral. Quand je suis en train de parler du fédéral, je suis pas en train de parler d'une province. Je suis en train de parler du gouvernement du Canada. Oui, c'est ça. Pour, pour mieux vous expliquer les choses de façon simple, euh, d'abord sachez que cette décision elle rentre en vigueur le 30 avril. C'est-à-dire ceux qui ont commencé à faire leur procédure, qui ont déjà dépassé cette étape, bien évidemment, ils sont pas concernés. Mais ceux qui ne l'ont pas encore dépassé, ou bien ceux qui vont commencer une nouvelle procédure, il va falloir en tenir compte. Oui, c'est ça. Ça prend un ajustement au niveau des finances. Euh, je vais vous parler de ça si vous voulez en deux catégories. Quand je suis en train de parler de catégories, je vais partir par exemple de la catégorie immigration économique. Immigration économique, c'est la catégorie de vous et moi comme ça. Quand je rentrais au Canada, ça c'était la catégorie immigration économique un peu pour tout le monde, si vous voulez. Donc, cette, euh, ce volet là de immigration comme comment on appelle ça, économique, là, ça a été augmenté de, vous voulez, près de 50%, comme je le disais tantôt. Avant, c'est-à-dire, jusqu'à présent, euh, jusqu'à ce qu'on a, on rentre dans le 30 avril, les frais sont de 550 dollars canadiens. Mais après le 30 avril, là, ça va passer à 825 dollars par personne. Donc, ça veut dire que s'il si y a le conjoint de fête ou bien euh, euh, si vous êtes marié, quand je parle de conjoint de fête, ce que vous appelez euh, concubinage, c'est ça le conjoint de fête, si euh, euh, cette personne doit s'ajouter, donc il va falloir faire 825 dollars x deux. Et si vous voulez venir avec un enfant, c'est sûr que maintenant, il y a aussi le montant au niveau des enfants qui a augmenté. C'est-à-dire, avant, pour les enfants, on payait comme 200, on payait comme 150 dollars par enfant. Maintenant, c'est passé à 225 dollars par enfant. Donc, ça veut dire qu'un couple aujourd'hui qui veut immigrer, on est en train de parler d'une histoire de 2000 et quelques dollars, près de 2500 dollars, alors que dans le passé, c'était 2000, mais 2000 et quelques. Bref. Donc, c'est ça, ça a augmenté. Donc, si vous voyez que si pour un enfant, ça fait 225 dollars par enfant, si vous en avez trois, bon, c'est un bon pactole qu'il va falloir prévoir. Mais quand je suis en train de vous parler de ce montant que je viens de vous donner, ça, c'est vraiment un montant qui s'occupe, ça dit, qui, qui, qui parle de le, du, du, traitement de dossiers. Oui. Quand on est en train de parler de ces montants que je vous ai cités, qui sont les 825 dollars par personne adulte, ça, c'est traitement des dossiers au niveau du fédéral. Donc, quand on est on est rendu là, ça c'est le volet de, de de la partie économique que je vous ai expliqué. Il y a la partie aussi des gens d'affaires. Quand on parle de gens d'affaires, on est en train de parler des, des hommes d'affaires. Oui, c'est ça. C'est ça le problème. Parfois, les thèmes, ça change un peu. Ici, au Canada, ils ont leurs thèmes qu'ils emploient. C'est pour ça que moi, j'ai toujours dit, c'est pas aisé pour une personne d'aller sur le site comme ça pour faire, euh, sa procédure. Pour ceux qui arrivent à le faire, en tout cas, chapeau à vous. C'est pas évident. Mais si tu sais que c'est pas une question de moyens, si les moyens ne font pas défaut, idéalement, moi, je conseille toujours un consultant en immigration. Parce que, c'est vrai, ça revient cher, mais au moins, tu as la tête tranquille, tu n'as pas besoin de t'embrouiller te, de avec euh, les données. Donc, tout ce que je vous ai cité, ça, c'était pour le volet économique. Mais, on va parler des gens d'affaires, les gens d'affaires, qui est homme d'affaires, femme d'affaires. Eux, avant, ils payaient comme 1050 dollars canadiens. Mais aujourd'hui, ils sont rendus à 1575 dollars environ, qu'ils doivent payer à partir du 30 avril. Tous ces montants que je vous ai cités, ça n'inclut pas bien évidemment les examens médicaux, ça n'inclut pas aussi la biométrie comme les, les billets d'avion, tout ce que vous voulez, même les logements, puisque certains d'entre vous encore vont venir me demander. Donc, ça n'inclut rien. C'est vraiment les dossiers pour les frais du traitement de dossiers au fédéral. Maintenant, quand tu as fini de payer cette partie, quand je suis en train de vous parler du fédéral, ça veut dire que je ne vous parle pas des provinces. Je suis en train de parler de, du fédéral, qui est le gouvernement du Canada. Donc, en plus de ce montant, il y a un montant maintenant de frais de résidence permanents, toujours au niveau du fédéral, qu'on va devoir débourser, qui est un montant de 500 dollars, mais avant, le 30 avril, c'est toujours 490, mais passé le, 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 30 avril, ça devient 500 dollars. C'est sûr qu'il y a un 10 dollars qui a été ajouté. C'est pas rien, parce que si on a des milliers de personnes et qu'on ajoute 10 dollars, c'est, quelque chose. Oui, ils ont fait cette augmentation, en quelque sorte, pour, c'est pas rien, parce que ça va quand même rapporter quelque chose de, de gros à leur économie. Oui, ça va rapporter environ 76,9 millions de dollars sur dix ans. Donc, vous comprenez que ce sont des choses comme ça. Eux, ils prennent pour renflouer leurs caisses, pour, pour bâtir leur économie, pour, pour construire leur pays. Mais c'est juste que chez nous, bon, il y a une partie de la population qui bénéficie et puis le reste souffre. C'est ça l'Afrique. Bref. Donc... Pourquoi ils ont ils ont augmenté ça selon ce qu'ils ont dit, ils essaient un peu de rejoindre euh, c'est-à-dire certains pays qui font l'immigration, oui. Si vous ne le savez pas, je vous informe, immigration Canada c'est le plus moins cher de tous les pays qui font de l'immigration en dehors de la Green Card aux États-Unis. Il y a la Nouvelle-Zélande, il, il y a comment on appelle, il y a l'Australie et puis il y a le Canada. Parmi tous ces pays là, c'est vraiment le Canada qui revient, excusez-moi, qui revient moins cher. Donc, partant de ce fait, ils ont décidé aussi d'essayer d'ajuster leur prix, comme ils appellent ça, c'est un ajustement qu'ils ont essayé de faire désormais pour essayer de rejoindre un peu les autres pays comme l'Australie et la Nouvelle-Zélande, comme ils ont dit. Donc, tous ces, ces éléments-là sont désormais à prendre en compte. Ce que je vous ai expliqué, ça, c'est le fédéral, mais le, il va falloir tenir compte aussi des montants des provinces. Mais bien évidemment, celui de, 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 de Québec n'a pas augmenté. J'ai trouvé que c'est normal puisqu'ils n'ont même pas encore débuté avec Arima qui est bloqué, tout et tout. Donc, je ne voyais même pas de raison que ce soit augmenté. Mais ça n'a pas augmenté au niveau du Québec ici. Pour les autres provinces, je ne les connais pas. Donc, je ne peux pas faire de commentaire là-dessus. Je ne sais pas, je n'ai pas d'informations. J'ai juste regardé. Pour la province du Québec, les montants sont restés tels. Et puis, selon ce qui a été dit, il n'y a pas de, de, ça dit, il n'y a pas de, de, de il a pas d'augmentation prévue à l'horizon pour l'instant. Donc, euh, cette décision-là, comme ils ont dit, elle avait été prise vraiment. Il ne faut pas penser que c'est parce qu'il y a la crise du COVID-19. Non, c'est une, une loi qui avait été déjà votée avant même la crise du COVID-19. Voilà, ça, c'est important de le préciser. Ça a été pris, mais il y a des avocats internationaux qui essaient de rentrer en contact avec Ottawa pour essayer de voir si on peut repousser encore cette date-là pour ne pas que ça rentre vraiment en vigueur le 30 avril-mai. Ottawa n'est pas fermé à ça, selon ce que j'ai lu. Ils essaient de voir comment ils peuvent essayer de voir où repousser, whatever. Je ne sais pas. Donc, c'est cette augmentation-là, ça va se faire chaque deux ans. Ça va, ça va se faire chaque deux ans. Il y aura comme un, un montant de, de comme 2 qui va s'ajouter chaque deux ans euh, sur, sur ces tarifs-là. C'est-à-dire les tarifs vont varier chaque deux ans. Donc, en quelque sorte, c'est ça. Donc désormais, si vous voulez faire votre procédure d'immigration, bien évidemment, il va falloir ajuster les prix parce que quand je suis en train de vous parler de des frais de dossier résidence permanente, c'est pas pour une province. Mm -hmm. Parce que vous allez venir me demander peut-être. Donc, je préfère toujours préciser ça. Ensuite. La dernière information sur laquelle je voudrais encore insister, ben, ça va arriver souvent dans mes vidéos que je vais faire sur le Canada. Je vais insister sur le, le volet fraude. Oui, c'est important d'insister parce que comme je dis souvent, je me répète peut-être dans mes vidéos, mais je vois aussi que c'est pas mauvais. J'ai fait cette vidéo récemment, la dernière vidéo que vous avez écoutée. Il y a quelqu'un qui fait de l'immigration au Cameroun qui m'a rejoint, qui m'a dit, oui, madame, vous avez très bien fait de parler de ça. Il va falloir insister parce qu'il y a bon nombre de personnes qui se font arnaquer. Très souvent, vous vous faites arnaquer sur le volet où il dit, bon, on va vous fournir un visa, un visa visiteur, et puis dedans, ils vous fournissent, ils vous parlent des permis de travail. Mais ce que vous oubliez, c'est que même quand ils viennent vous contacter, pour vous dire qu'ils vont vous faire rentrer avec un montant, de, je prends un montant banal de 100, 100 000 francs, par exemple. c'est n'est pas banal, je sais, mais j'ai un exemple de 100 000 francs. Mais les 100 000 francs que toi, ils te demandent, tu vois ça comme quelque chose de petit, même tu si te demandent 200 000, qui te dit, ah, il va te fournir un visa pour rentrer au Canada. Toi, tu vois ça comme quelque chose, bon, au moins 200 000 francs, j'ai mon visa, je vais rentrer au Canada, mais ce n'est pas à toi seul qui demande les 200 000. Donc imagine-toi, s'il en a plusieurs personnes comme ça, avec les 200 000 ou bien les 100 000, ça commence à faire trop. Donc ça veut dire que c'est un processus qui est mis en place vraiment. C'est une anarchie même à la, à la grande échelle, on peut dire ça. Il faut pas minimiser ça. Soyez vraiment vigilants, comme je le dis, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui se font avoir. Ils il, il rentrent en contact avec vous, ils vous disent, bon, il va vous fournir le permis de travail, il va vous fournir le visa visiteur. Quand vous arrivez ici, vous allez travailler. Mais il n'y a aucun visa visiteur qui donne le travail ici. C'est juste que ton visa visiteur est lequel tu rentres là. Il faut qu'il soit suivi du permis de travail. S'il n'y a pas de permis de travail, qui te fournit le, le visa visiteur, comment il peut dire que tu peux travailler avec ça? Non. Les amis, je vous dis, oh ah, il n'y a personne qui travaille ici au Canada, qui a le droit de travailler. Oui, parce que quand je parle, je vais parler de droit. Peut-être qu'il y a des gens qui font ce que nous, on, on dit ça de façon banale, le en vete c'est-à-dire en bas de la table, en dessous de la table. Il y a des gens qui appellent, comme dans les autres pays, on dit travailler au noir il y a des gens qui le font ici peut-être, mais ça, c'est à leur risque péril. Mais moi, je suis en train de vous parler de quelque chose où quelqu'un vient et te dit, non, je vais te fournir le visa visiteur. arrivé là-bas, tu vas travailler. Ça, c'est une autre dynamique. Quand il te dit, arrivé là-bas, tu as demain le permis de travail pour travailler, ça veut dire qu'il est en train de t'arnaquer parce que c'est pas aussi facile que ça. Donc, vous comprenez, on ne rentre pas ici avec un visa visiteur pour dire qu'on travaille. C'est pas possible. Si tu es arrivé maintenant, que tu as fait peut-être une demande de, 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 de permis de travail qui est quelque chose de difficile, c'est pas donné. Ça, je vous dis des choses claires comme ça. C'est n'est pas donné à tout le monde d'avoir un permis de travail. On préfère même que tu demandes le permis de travail depuis là-bas. Bref, j'ai été assez clair. Je vais le répéter autant que faire se peut dans mes vidéos maintenant pour vous dire de faire attention. Je suis en train de lire. Les, les informations aussi sur immigration Canada parce que eux aussi ils font de la sensibilisation sur les fraudes pour essayer de vous donner des éléments qui font que quand quelqu'un te rejoint pour te dire bon je suis capable de te donner le visa euh, 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 le permis de travail tout et, tout et tout pour que tu puisses voir des éléments ça dit pour déceler des éléments qui prouvent que tiens attention ça c'est une fraude je suis en train de prendre des renseignements c'est sûr que ça me prend de la lecture et puis il faut que j'ajuste les informations mais avant ça sur se rester très prudent il faut pas vous faire avoir surtout par ces temps qui courent où la vie est très dure L'argent là, comme on dit ici, ça ne se prend pas sur les arbres. L'argent, c'est difficile à voir. Donc, soyez prudents sur vos économies. Merci. Merci de partager mes vidéos, de les liker et puis aussi de les commenter. Même ceux que j'avais pensé qu'ils avaient disparu de ma page, j'ai vu encore qu'ils sont là. Bon, on continue la route ensemble. Merci pour tout. N'hésitez pas à partager et à liker les vidéos. Si ce, prenez soin de vous et puis soyez prudents euh, c'est pas facile, le consultant vous avez essayé de le rejoindre sûrement qu'il vous a dit à partir du 4 mai oui parce que ici les choses sont bloquées on va commencer à sortir des maisons peut-être à partir du 4 mai, donc nous tous on reste là à prier Dieu pour que vraiment tout se passe bien merci beaucoup, n'hésitez pas à partager et à liker, ciao